Donc, bienvenue à tous. On va débuter ce Facebook Live de lancement dans quelques minutes. Pour le moment, on est à s'assurer là de faire le tour, que tous les paramètres sont corrects. Si vous avez justement des questions, des inconvénients, n'oubliez pas de nous le mentionner directement dans les commentaires. Et on sera en mesure là, de commencer là dans à peu près 2 minutes. On va commencer directement à 4h15 comme prévu. Et pour ceux qui se demandent quels sont ces bruits-là, c'est notre gérant de service, donc notre gros perroquet Tuki qui s'organise pour se laisser savoir qu'il n'est pas tellement loin. Donc, on va laisser une petite minute encore pour s'assurer qu'on a la chance de laisser aux gens qui sont disponibles à 4h15 d'être là. For our English-speaking friends, we'll be starting in about 1 minute, just making sure that people available at 4:15 get the chance to get a hold of the Facebook Live. Eastern time. Eastern time, of course. And I'll be following your comments and questions if you have any, so just post them down there. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous, puis on sera en mesure. Je vais faire le tour et pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Eh bien, commençons. Donc, bienvenue. Mon nom est Chantal Bossé de Chabosse. Je vous présente Patrice Perra. Bonjour à tous. On travaille en présentation et communication visuelle depuis 2004 maintenant. Et on fait un grand lancement. Patrice, pour toi, c'est suite à 18 mois maintenant de travail et de recherche acharnée. Ben, l'idée est née là 2 ans après le Presentation Summit de 2014, où j'ai vu que cela pouvait être un besoin. Fait que j'ai commencé à fouiller Internet. À savoir, je me disais que sûrement une compagnie devait offrir un service de multiples adaptateurs et multiples câbles, à même un petit kit ou quelque chose. Et après 6 mois de recherche, j'ai été obligé de constater que ça n'existait pas. Puis ce besoin-là, tu l'as constaté parce que tu avais des conférenciers que tu devais t'occuper. Ils arrivaient, puis il manquait des connecteurs, manquait des câbles. C'est bien Oui, c'est ça? sûr qu'on a réussi quand même à les dépanner et à faire en sorte que leur conférence ait lieu. Mais disons que notre vie aurait été de beaucoup simplifiée s'ils seraient arrivés avec leurs connecteurs, leurs câbles, tous les produits qu'un conférencier peut avoir besoin pour donner sa conférence. Tout à Mais fait. au début, je me disais, mais pourquoi que ça arrive aussi souvent? Parce que j'ai commencé à poser des questions à gauche puis à droite et je me suis rendu compte que c'était une réalité. 100% des gens à qui j'ai posé la question m'ont tous dit que ça leur est arrivé au moins une fois d'être dans une situation d'une conférence où c'est qu'ils ont perdu du temps parce que ça retardait pour trouver le bon fil, trouver le bon adaptateur pour pouvoir présenter. J'ai dit, je pouvais pas croire que ça n'existait pas, mais effectivement, ça n'existait pas. Fait qu'après 6 mois de recherche, j'ai été obligé de venir à la conclusion que, bon, créez-le. Fait que des recherches ont commencé. Ça a pris 18 mois pour arriver à aujourd'hui, pour aboutir avec le produit qui va être présenté. Bon, je vais faire un petit wrap-up en anglais. So, Patrice's idea came upon about 2 years ago at the presentation summit when he realized that so many speakers arrived. Some of them didn't have the good adapter, some of them were lacking the cable altogether, and it would have been so much easier on them if they would have had all the good equipment at the time. They were able to help them out, but still that was a problem. So he was having a look, searching the web for everything and trying to figure out what company does have a kit that could help the speakers with this. And after 6 full months of trying to find the right kit, he had to come
out to the conclusion that it just wasn't existing. Yeah. That's when he decided to build it, and that's what we're showing to you today. Donc, on vous présente, montre ton fameux kit, ton petit bébé. Mon bébé qui a pris 18 mois de confection avant d'en venir à la réaliser. De nombreux essais-erreurs, trop gros, trop petit, mais finalement, on a trouvé la bonne grosseur qui rentre dans la très grande majorité des gens qui se déplacent avec une tablette ou une valise pour un portable. Et à l'intérieur, on retrouve tous les adaptateurs et les fils. Comment ça en sortir, Patrice? Leur montrer un petit peu. Bon, c'est un standard, c'est le HDMI à VGA, à savoir que, bon, beaucoup d'ordinateurs ont de plus en plus le HDMI. Et pour aller vers un projecteur qui est relié au plafond, qui a uniquement un fil VGA. Fait que, mais il y a aussi une nouvelle réalité qui est, c'est que de plus en plus de portables ont le micro HDMI et le mini HDMI. Fait que tout ça fait en sorte que on va pouvoir se connecter là sans problème. Fait qu'ils ont les adaptateurs. Et très souvent, même trop souvent, ça m'est arrivé que les gens invitaient un conférencier. Oui, on a tout ce qu'il faut pour vous connecter en VGA, là, inquiétez-vous pas. Et on arrivait et sur le portable, on avait une connexion femelle. Et sur le fil qui arrivait, étant donné que la personne avait acheté une extension et non pas un fil VGA, tout simplement, bon, il se fait désirer. J'ai installé aussi des gender, des coupleurs en français. En français, excusez mon anglicisme. Des coupleurs pour justement être en mesure de s'adapter peu importe la situation. Et évidemment, si le fil HDMI est trop court, j'ai aussi le coupleur HDMI pour pouvoir adapter deux fils. À l'intérieur, j'ai aussi prévu un fil de 1,5 m ou 5 pieds pour HDMI et la même chose en VGA. 1,5 m ou 5 pieds dans le VGA. Pour les utilisateurs de Apple, j'ai prévu le Thunderbolt mini display dans lequel on peut convertir à VGA, HDMI et même DVI. Fait que de cette façon-là, on couvre presque tous les ordinateurs sur le marché. Il y a seulement qu'un modèle de Apple qui n'est pas couvert. C'est le MacBook avec son connecteur USB-C qui était beaucoup trop dispendieux pour le peu d'utilisateurs qu'il y a. Par contre, quelqu'un qui m'appellerait et me dirait qu'il y a un MacBook standard, il y aura moyen de discuter là, pour installer un connecteur USB-C. Parce que comme vous pouvez voir, il reste un espace dans le bas. Et cet espace-là peut être utilisé pour soit compartimenter et rajouter d'autres adaptateurs, les compartiments viennent avec, ou, comme on travaille beaucoup avec SMK-Link, on a trouvé des télécommandes qui font dans le kit. Fait qu'on installe tout simplement la télécommande à l'intérieur du kit. Puis t'as trois modèles de télécommande. Et il y a trois modèles qui rentrent dedans. Fait que vous allez avoir tous vos connecteurs ainsi qu'une télécommande dans le même boîtier. Vous traînez tout simplement le boîtier avec votre portable et vous êtes équipé pour vous connecter, peu importe le projecteur ou l'ordinateur portable, ça va fonctionner. Patrice, des gens vont peut-être dire, ouais, mais moi là, toute la technologie puis les câbles, je suis pas trop sûre ce que c'est quoi. T'as même pensé à avoir un petit diagramme pour aider les gens à se retrouver. Pour être sûr que les gens... Si, à l'intérieur, là, ceux qui disent, ben moi, je suis pas techno, vous avez déjà l'information qui vous décrive n'importe lequel des connecteurs. Fait que si vous partez avec votre kit, ils vous demandent, ben avez-vous tous vos connecteurs, ou vous demandez quels sont les branchements, vous allez être capable Vous regardez rapidement le plan, vous savez si vous en manque un, ou si vous n'avez, si vous les avez, là, d'un seul regard, vous allez le savoir immédiatement. Sans problème, là, vous allez pouvoir être toujours en mesure de suivre vos petits adaptateurs. Parce que je vous cacherai pas qu'en tant que technicien, c'est ce qu'on perd le plus. Surtout ces modèles-là. Les petits coupleurs. Vous n'avez pas aidé la quantité qu'on perd. Sauf que là, maintenant, ben, avec ce kit-là, ben, là, avant de le fermer, bon, un regard rapide sur le plan,
OK, celui-là, il est là, celui-là, il est là, celui-là, il est là. OK, c'est bon, je suis complet. Merci. Fait que ce que je vais faire, I'll do a quick wrap-up for English friends. Yeah. In the kit, you will have 8 main components. You have some adapters for your DVI, and you have some, not couplers, gender changers. Gender changer. I'm using them in French now. Yeah. And you even have this one, which I have to look at. This one is the adapter for HDMI. Mini HDMI and micro HDMI who can be used by the majority of notebook today use micro and mini HDMI and standard HDMI too. And then you have the adapter for VGA to HDMI. You're a Mac user, you're covered. We have that Thunderbolt adapter, which gives you access to DVI, VGA, HDMI, and that then you'll be covered to connect your Mac to whatever the device you have, exactly. The projecting device. And you have 2 5-foot cables, one HDMI, one VGA, which can also help you since you have the gender changers. If you're lacking the length to connect to the projector or monitor, then you're covered with that. As Pat was mentioning in French, he saw once that a speaker was asked, just have your VGA cable and, or was it HDMI cable? But finally, he asked at the store for an extension, which really wasn't the same thing, and he was lacking that small itty bitty piece here, that gender changer to connect everything. So he was kind of in a loop, not being able to connect to the projector. So that in it's a quick recap. And as we were saying, people that are not familiar with what are the names of all these parts, and I raise my hand because I have him I rely on all the time. You have that little plan, and that little plan also helps just have a quick check before you leave something. Do you leave someplace? Do you have all your adapters? And the plan is bilingual. Yeah, plan is bilingual. And the extra space that you have at the bottom right here, sorry, Pat, you can either have a customization that's possible that you can add some gender changers, adapters, whatever. Or if you're a speaker and you don't have a remote, which we strongly recommend, we're working with SMK Link products and we have 3 models that can go in there. So with your either one of the 3 models, you're covered, everything fits in your laptop bag. Or as one of my MVP friends was mentioning, you don't need an extra carry-on on the plane because it fits in your bag. So then you're covered. Et Patrice, maintenant, les gens vont probablement avoir la question, ben oui, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte combien? Ben, qu'est-ce que tu as réussi à faire avec tes recherches? Bon, j'ai fait des recherches à savoir si on les achetait séparément, qu'on les montait. J'arrivais à un montant astronomique. Je me disais, ça avait aucun bon sens. Fait que je suis allé directement à la source. Je suis allé dans les usines qui manufacturent ces pièces-là. Et j'ai commencé à faire des démarches pour les acheter directement des usines qui les fabriquent et qui m'en envoient. Fait que avec toutes les rencontres et les ententes que j'ai réussi à obtenir, j'ai obtenu un prix très compétitif pour ce kit-là. Fait que vous avez votre boîte, vos 8 composantes pour la somme de 60 $ canadiens. 60 $ canadiens, 50 $ US. Et c'est plus les frais de transport et les taxes pour ceux qui sont au Canada. Et ceux qui voudraient avoir des télécommandes, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter parce que Patrice va pouvoir vous conseiller le meilleur modèle selon les selon conditions, les besoins. Vos besoins, les conditions de salle dans lesquelles vous présentez d'habitude, s'assurer que la portée est bonne, etc. Et on les rend disponibles présentement sur notre site web chabos.ca/équipement. Vous avez un formulaire de commande. On est à finaliser les derniers détails pour automatiser l'achat en ligne. Il vous suffit à ce moment-là de demander si vous voulez avoir votre kit de base, qui est 60 $. Le kit personnalisable, on ajoute les composantes et Patrice, à ce moment-là, va pouvoir vous indiquer quel est le total de votre kit si vous ajoutez des éléments, une télécommande, entre autres, ainsi que les frais de transport.
À part de ça, y avait-tu d'autres éléments? Non, on peut justement rajouter, il y a des personnes qui vont vouloir peut-être doubler, voire tripler les coupleurs. C'est possible, c'est pas un problème. Pour les composantes un petit peu plus grosses, qui sont l'adaptateur pour HDMI et le mini display Thunderbolt, bon, on peut doubler, mais ça va être le maximum pour rentrer dans le boîtier. On peut en ajouter un deuxième, mais on pourrait pas en mettre plus de deux dans le boîtier. Fait qu'à partir de là, ben là, ça serait uniquement là, de rajouter, de refaire le calcul, là, combien reviendrait le kit, là. Mais juste pour vous faire un petit parallèle, j'ai fait une recherche chez Best Buy. Ce modèle-là se vend 25 $ canadiens et ce modèle-là se vend 50 $ canadiens. Faites le calcul. Pour un peu moins cher, vous avez tout le reste. Inclus dans votre Et les kit. gens s'évitent d'avoir à faire deux, trois magasins Oui, pour trouver tous les éléments. effectivement. Soyons francs, il y a certaines des composantes que tu peux difficilement trouver sur le marché québécois présentement. Faut les faire venir par différentes compagnies, là, alors que là, vous les avez tous au même endroit. So, we'll just wrap up the price tag on this for the English-speaking people. If you're from the States, this kit, so you have one box, eight components, is $50 US. And you have everything in it. You don't have to scramble searching in either many stores or try to search the web and have every bits and pieces and parts and adapters selected one by one on different websites. Everything is in there. And for the US people, we'll be able to start shipment and everything that pertains to customs and everything starting in October. People that will be attending the presentation summit were willing to have pre-orders that were willing to bring your boxes right to you at a presentation summit. And for Canadians, the Canadians that would want to buy this, we can just ship it to you as soon as you want it. And you will have the same price. It's $60 Canadian plus the taxes and shipment. So I think that probably wraps up everything. If you go on our website right now, we have only the French form. In the next few days, we'll be having the English form English. to pre-order. And the online store will officially be available in the next few days, maybe a week or so. Fait que je pense que Patrice, on a pas mal Oui, fait on a le couvert le tour. tour, on a fait le tour. Fait que l'aboutissement, la trousse du conférencier qui va vous permettre de vous éviter de perdre du temps. Et vous savez, du temps, c'est de l'argent. Si vous allez voir sur le blog chabosse.ca, on a d'ailleurs un article de Patrice qui parle des pertes d'argent face au retard dans les réunions parce qu'il manquait d'adaptateurs, de connecteurs, peu importe, ou de câbles. D'accord, effectivement. Je vous invite à aller sur le blog, allez le lire. Vous allez voir, c'est pas parce que vous êtes une petite entreprise que ça vaut pas la peine. Vous pouvez avoir quelques réunions à 10 personnes, puis le nombre d'argent ou juste d'heures personnes, vous avez 2 heures et demie de perte de temps, c'est pas long là, pour un total d'une réunion. Et à ce moment-là, vous allez rentabiliser votre achat dès une première réunion qui Première, commence à temps. deuxième maximum, c'est rentabilisé. Exactement. Fait que sur ce, allez voir chabosse.ca/équipement. N'hésitez pas, vous avez aussi le numéro pour nous rejoindre par téléphone, par courriel. Et tout ce que vous avez à faire, vous avez des questions, contactez Patrice. Ça Il me fera va être plaisir de vous répondre. en mesure de faire votre personnalisation de votre kit. In both languages. Both languages. So if you have any questions, please do contact us. You can do so by email, by phone, and ask for Pat. He'll be able to answer your questions and make sure he customizes your kit because you have only one kit to carry and you're good to go wherever you go. Fait qu'on espère que vous avez aimé. Merci d'être avec Merci de nous. votre présence. Et merci aussi de faire circuler l'information. C'est vraiment quelque chose qui peut permettre aux entreprises d'économiser de l'argent et rapidement. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.